Je fais une petite pause avant d'attaquer la finition. Je vais me permettre 2-3 petits commentaires. Je dis permettre tout simplement parce que j'ai vraiment peu de connaissances en tournage. J'y vais au feeling, j'apprends les choses comme ça. J'ai appris les choses à travers un très bon hors-série, c'est celui du Bouvet. Donc n'hésitez pas à le commander, je le recommande. Après, voilà, je pense que c'est comme tout, il faudra aller chercher encore plus au-delà des informations. Moi, je reste sur du tournage assez basique et ça m'avait largement suffi. En termes d'explication, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'orientation des fibres, là, elle est à la verticale. On a, peut-être ça peut se voir ici au centre, on a une orientation qui n'est pas dans ce sens-là. Donc, ça m'oblige à travailler avec cette gouge qui est très forte. Elle a une grosse épaisseur de métal en dessous. C'est une gouge à creuser. Et ça explique que, regardez, j'ai un beau brillant dans une zone comme ici. Ici, un état de surface, on va dire travers fil complet avec une gouge au moment où j'ai fini de profiler l'extérieur qui coupait vraiment plus super bien. À nouveau, je suis dans le sens du fil, voire même ici, je couche les fibres et donc je me retrouve avec un joli brillant. Donc ça, dès qu'on travaille pour faire un bol ou des choses comme je vais faire aujourd'hui, j'utilise beaucoup cette gouge, je fais de nombreux allers-retours pour affûter. Tout simplement parce que dans toute la zone où on est ici en travers fil, eh ben ça désaffûte beaucoup. Pour ce qui est du tournage, allez, je me hasarde à une ou deux petites explications. Il y a une chose que moi je retiens de ce hors-série, c'est l'importance de faire ce qu'on appelle talonner. On a le tranchant bien sûr, et à l'arrière de la gouge ici, on a un biseau. Ce biseau, c'est lui qui va nous permettre de diriger la gouge. De même que on va régulièrement se servir du biseau ou de la planche lorsque l'on va vouloir diriger un ciseau à bois. Et lorsque je veux creuser, si je m'oriente comme ça, on va dire comme ça, j'ai juste un contact avec le tranchant et donc ça va littéralement planter. Tandis que si je tourne un peu et que je cherche l'angle, je viens mettre en contact le biseau. Je suis à la limite d'être en appui sur le biseau et de trancher. On va dire là, j'ai donc un point de contact au niveau du tranchant, un point de contact sur le biseau et j'ai même un troisième point de contact sur le support. Et du coup, je suis capable de tenir la gouge, de piloter. Dès qu'on est à vouloir, et ça m'arrive encore beaucoup vu que je suis plutôt débutant, à avoir un mauvais appui, on se retrouve à gratter et à être beaucoup moins précis. J'irai pas plus loin dans les explications. Peut-être qu'un jour, je me serai assez entraîné pour oser vous en donner un peu plus. Là, je vais arrondir, je vais reprendre l'extérieur, faire quelques petites finitions, mais globalement, j'ai la forme que je voulais. Thank you.
Alors, celui-là. Ouais, bah mon fond était creux, quoi. Bon. Bon, on va finir de mettre plat. Hein. Comment ai-je pu être aussi con? Sans commentaire. Hein. Le premier qui fait un commentaire en dessous, c'est la première vidéo que je vous demande. Je ne veux aucun commentaire. Zéro. Zéro pouce en l'air. Zéro pouce en bas, parce que ça aussi c'est interdit. Et surtout pas de commentaires, sinon j'arrête YouTube. Allez, bonne semaine.